viendra. Mets-toi debout. Tu vois pas. Voilà. Tu vois pas assez. Voilà, tu fais les doigts. Les mains. Oui. Les mains. C'est des grandes mains. On les voit. Avec des doigts de pied, des doigts de main. Mais pourquoi non? Pourquoi j'ai le droit de faire sur ta peinture? C'est ce que je te demande. Mais artiste, c'est un individu à un moment donné qui prend la décision de devenir artiste. J'ai le sentiment qu'en prenant cette décision, on s'inscrit naturellement contre, ou naturellement, au mieux, en porte-à-faux. Et que si on s'inscrit là-dedans, c'est parce qu'on ne comprend pas le milieu ambiant. Donc je pense que, effectivement, moi, ma position a toujours été d'être plutôt contre. En étant contre, bah, je suis devenu artiste. Mais quand on choisit d'être un artiste, c'est qu'on a, on est déjà décalé. Ce n'est pas un acte fort de revendication et même d'espoir de changer la société. Si on veut changer la société, on fait de la politique. Et à ce moment-là, on est utile. Si on veut changer la société, on fait la révolution. Et d'une certaine façon, à ce moment-là, on est utile. Si on veut changer la société, on devient un grand tueur. Et dans ce cas-là, on est condamné. Un artiste, il n'est ni condamné, ni utile. Il fait son affaire. Quelle est la différence entre un artiste et un docteur en histoire de l'art? Tous les deux dorment, tous les deux se lèvent le matin, ils prennent leur café. À une époque, ils fumaient une cigarette et arrivait ce qui devait arriver immédiatement après, ils allaient aux toilettes. Et c'est là qu'on voit vraiment la différence entre un artiste et l'autre. C'est qu'ils font le même objet dans les toilettes, surtout s'ils ont mangé la même chose la veille, ce qui est probable. Et qu'est-ce que fait le docteur en histoire de l'art? Il tire la chasse d'eau.
et il rend l'endroit propre. Qu'est-ce que fait l'artiste ? Il prend l'objet, il le nomme, et toute sa vie, le docteur en histoire de l'art va l'étudier, en se disant « c'est incroyable ». C'est unique, celui-là est bien, celui-là n'est pas bien, celui-là est un moderne, celui-là n'est pas un moderne, celui-là a de l'avenir, celui-là n'a pas d'avenir. Or, c'est bien l'objet que lui a nettoyé le matin, en fait. C'est le sien, c'est celui de l'artiste. Donc l'artiste ne fait qu'une seule chose, c'est ramener aux autres ce qu'ils ont oublié. Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont utiles, parce qu'ils ont autre chose à faire dans la vie, ils ont quelque chose à faire dans la vie, ils ont à travailler. Il y a quelqu'un qui attend d'eux quelque chose de précis. On est là juste pour dire, voilà ce que vous oubliez, sans leur reprocher, d'ailleurs. Et c'est là où on rentre dans une certaine utilité, c'est que finalement, en disant aux autres, voilà ce que vous avez fait et que vous avez oublié, on les rassure sur leur humanité. Moi, étant né au XXe siècle, étant formé au XXe siècle, je crois que je reste fasciné par ce qu'on a appelé les modernes, ou que moi j'appelle les modernes, et la modernité, et que je résume en disant que c'est peu d'artistes qui sont Picasso, Kandinsky, Malevitch, Duchamp, j'en oublie toujours un exprès, et qui ont fait acte de modernisme entre 1907 et 1914, jusqu'à la guerre de 14. Peut-être qu'il faut expliquer un peu ce phénomène moderne, ou tel que moi je l'ai compris, parce que je ne prétends pas être exhaustif et être en position d'autorité pour parler de ça, mais moi, tel que je l'ai envisagé, en fait, qu'est-ce qu'avaient fait ces modernes entre 1907 et 1914 ? Qu'est-ce qu'avait fait Picasso ? Qu'est-ce qu'avait fait Malevitch ? Qu'est-ce qu'avait fait Duchamp ? Ils avaient fait juste un tout petit acte, ils avaient fait sauter la perspective. Qui en soi ressemble à un tout petit acte, parce que la perspective n'a pas toujours existé, etc. Mais là, à cette époque-là, ils la refont sauter. Et ça me paraît être ça, l'acte moderne, c'est enlever la perspective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire enlever la perspective ? Ça veut dire, le premier acte, c'est ça enlève le point de vue. Rien que ça, on enlève le point de vue. Deuxième chose, en enlevant la perspective, on laisse le temps s'écouler, donc on arrête l'arrêt du temps. Parce que la perspective, c'est l'arrêt du temps. Donc cet acte fondateur d'abandonner la perspective, ce qui fait qu'on abandonne le point de vue, quand on impose à un public un objet, une peinture, où il n'y a pas de point de vue, ça met le public directement en tant que lui fabrique son point de vue. Et donc il se retrouve tout seul, sans explication culturelle, face à un objet qu'il n'a pas demandé à voir, parce qu'on ne lui a pas expliqué, et il se retrouve frontalement confronté à quelque chose dont il n'avait pas besoin et qu'il n'avait pas spécialement envie de voir.
Et j'ai toujours le sentiment que malgré tout, le carré blanc sur fond blanc de Malevich, les premiers tableaux cubistes de Picasso, les premiers tableaux abstraits de Kandinsky, on n'arrive toujours pas à les digérer. C'est toujours aussi difficile. Malgré le fait que ça soit rentré dans notre culture, ça reste toujours difficile. Et d'ailleurs, c'est toujours amusant de voir que finalement, les avant-gardes nous ressassent des carrés blancs sur fond blanc, comme acte incroyable. Toute l'histoire du XXe siècle nous montre qu'on n'a toujours pas digéré ce truc-là, parce que ce n'est pas digérable. C'est insupportable. Ça ne sert à rien. Ça ne fait que nous foutre dans la merde, ce truc-là, parce que ça nous met en première ligne. Et qu'on ne demande pas à être en première ligne. On demande à être protégé, on demande de la sécurité, on demande de la culture, pour être comme les autres. Donc cette notion moderne me paraît être toujours d'actualité et toujours aussi intéressante pour un artiste, parce que l'artiste ne comprend pas la culture. Thank you.
Moi, je marque le nombre de colis que je prends. D'accord. Donc,